il faut qu'elle nous reçoive un quart d'heure. Un quart d'heure suffira. Je vais retransmettre. Donc, elle a dit à propos du barrage de Sivens qu'il fallait que les élus locaux rétablissent le dialogue avec les citoyens. Et donc là, le projet de centrale à l'ambition, c'est un projet d'État, national, appel d'offres d'État. Donc les élus qui sont compétents dans le domaine, ce sont les ministres et le ministre de l'écologie. Donc qu'elles fassent ce qu'elles disent sur les médias. Hein. Voilà ce que j'ai à dire. Texte de Jean Richard qui était marin pêcheur et spectateur sur la côte. Et il y a un copier qui devrait vous plaire. Enfin, je connais une piscine qu'on appelle la mer. Une mer nourricière qui repousse la misère. Des êtres affamés subissent sur la terre. Et des grands, des jolis. Et parfois en colère, quand ces voisins terriens qui polluent l'atmosphère jettent autant pâture les déchets de leur terre. Qu'on aille au plus profond, qu'on aille très loin, toujours on y rencontre les traces des humains. Elles sont là pour longtemps, de 300 ans au moins, faisant mourir tortues et mammifères marins avec les sacs plastiques de l'épicerie du coin. Transformés en méduses, ils deviennent assassins. Voilà. Et du fourrage doux. Donne un poisson à un homme et il vivra un jour. Apprends-lui à pêcher, il vivra toujours. La mer est un vivier qui sera un recours. Quand la disette sur terre appellera au secours. Au lieu de la protéger, de lui faire l'amour, on lui jette nos déchets comme dans une basse cour.
gratitude, on lui crache dessus. C'est d'elle que vient la vie, celle qu'on a reçue. Les hommes ont oublié, la mémoire ils n'ont plus. Si la mer n'est plus, la terre sera perdue. Il sera alors trop tard de dire si j'avais su. Pour nos petits enfants, la vie sera foutue. Et puis, bravo Lucas. Merci Sigolène. C'était quatre verbes à trouver. Aimer, donner, recevoir, accueillir. Aimer, te donner, te recevoir. Donc bienvenue à Sigolène Royal. Bienvenue, bravo, bravo. Allez, merci Luc, bravo. Merci bravo. Merci aussi Dago d'être présent aujourd'hui. Ouais.